départ de la troisième course. Le prix du bassin d'Arcachon, support du tiercé quarté plus quinté plus, avec un excellent départ à l'extérieur du numéro 1 Mystérieux et de Jompi, le numéro 3, qui vont se retrouver au commandement en compagnie du 6 Zariano en 5e position, complètement à l'extérieur le 11 Ressources avec à la corde Gritolo ainsi que Madiva qui s'est rapproché. C'est Jompi qui dirige les débats devant Mystérieux en 3e position. Galop Gritolo, le numéro 16. Madiva n'est pas loin, alors qu'à la corde progresse également le numéro 14, Joko. Toujours Jompi au commandement devant Mystérieux, le numéro 1. Complètement à l'extérieur, on note un bon effort de Zariano qui va se porter presque au commandement. Ressources galope en 4e position à l'extérieur devant Gritolo. Imprimeur est lui quelque peu en retrait alors que Joko galope en 7-8e position. On est dans le dernier tournant. Jompi est toujours au commandement devant Zariano à son extérieur. Gritolo à la corde en 4e position. Ressources Mystérieux est en 5e position alors que le 2 Season galope en 6e position. Côté corde, Joko en compagnie du numéro 4 Madiva. On est à 400 mètres de l'arrivée. Zariano qui est passé à l'offensive avec à son extérieur Ressources. Le numéro 2, Season, n'a pas dit son dernier mot. Alors que Gauthier Corde, Gritolo se défend bien ainsi que Madiva est complètement à l'extérieur. Le numéro 8, Rizzi Shop qui va finir très fort. Rizzi Shop qui finit le plus fort complètement en dehors et qui va sans doute s'imposer devant Zariano. Zariano qui sera à la lutte avec Vénérable qui a fini très très fort. Alors que le numéro 4, Madiva, sera certainement 4e. Et pour la 5e place, on va voir ça tranquillement. Peut-être Gritolo à la corde. En attendant, c'est bien le 8 Rizzi Shop qui s'impose.